Donc Belfi qui a 27 ans maintenant, hein, et j'étais en train de diffuser quelques liens, donc je vais les remettre du coup. Si je les retrouve. J'ai déjà refermé la fenêtre, c'est dingue. Je vais trop vite. Je vais beaucoup trop vite. Donc Delphi qui est dans un nouveau environnement de développement et avec des librairies, enfin du code qui est fourni pour faire, qui travaille en Pascal Objet. Là, j'avais une formation de 60 heures. Si ça vous intéresse de regarder un petit peu, même si vous faites pas même si vous ne savez pas coder, j'étais reparti sur les bases. Et juste pour par curiosité, si ça vous intéresse, alors évidemment il y a ma chaîne Twitch, hein, puisque j'ai plein de trucs dessus. Et là j'avais fait une présentation sur plusieurs jours de 1 ou 2 heures à chaque fois, notamment donc présentation de base du fonctionnement de Delphi, de ce que ça fait, comment ça marche, par copier-coller des événements, enfin des éléments visuels ou non visuels sur lesquels on travaille, pour faire de la base de données et autres, qui est la base en fait, hein, depuis 1995 du fonctionnement de l'outil. Puisqu'il avait été créé pour ça au départ, faire des applications de gestion de base de données de façon simple, sans avoir à se prendre la tête avec les API Windows. Et du coup, bah, maintenant, on peut aussi faire des applications mobiles et enfin, de tout. Donc là, en l'occurrence, j'avais fait un petit casse-brique sur 1 heure et demie de stream, dont les sources sont sur GitHub, hein, si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil. Le jour 5, qui bascule sur le projet Casse-Brique, dont j'avais fait un lien dessus. Voilà, enfin, y a plein de trucs en fait sur mes sites là-dessus, et puis sur les dépôts en open source. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à me biper si vous avez des questions. Je suis là quasiment tous les jours en ce moment, en fin d'après-midi, puis là tout le week-end, pour du codage. Alors on finira ce jeu-là ce week-end, hein. Puis éventuellement on repartira sur la dizaine d'autres que j'avais développées en live ces derniers mois. Et l'an dernier, en fait, depuis que j'ai commencé Twitch. Merci, je pousse, c'est Anaxenemoun. Oula. Compliqué, il y a trop de syllabes en fait. Pour les follow, pareil pour Capitaine Flems. Un rapport avec quelqu'un qui a des collègues dont Mala et d'autres dans l'espace. Salut à tous, en tout cas. Alors, oui, je ne suis pas du tout de ce côté data ingénieur en SQL Python, mais ça reste très intéressant. Bah alors justement, puisque tu dis Python, alors c'est très la mode en ce moment, je suis pas très très fan, hein, mais il y a un truc qui est chiant en Python, c'est tout ce qui est interface graphique, et justement Embarcadero qui édite Delphi, C++ Builder, qui est la même chose, mais en C++ pour le langage, a aussi sorti des librairies pour travailler, mélanger du Delphi et du Python. Donc l'interface graphique faite en Delphi intégrée dans des applications Python ou intégrée du Python dans des applications Delphi. Et c'est en open source aussi, ça se trouve sur leur compte GitHub. Et je vais plutôt t'envoyer sur. Là-dessus, il devait y avoir ce qu'il faut. Et notamment un environnement de développement pour faire du Python qui a été développé en Delphi et dont les sources sont disponibles. Si ça t'intéresse, alors voilà, Pscripteur. Et puis des librairies Python derrière. C'est dispo en gratuit. Avec les sources à disposition aussi, si ça intéresse quelqu'un pour faire du Python et jouer un petit peu avec des interfaces utilisateurs et du vrai programme compilé derrière, puisque Delphi compile, ça se trouve ici. Puis il y a pas mal de vidéos aussi qui ont été faites ces derniers mois là-dessus. Et d'articles sur leur chaîne de blog, donc. Ne pas hésiter à y jeter un coup d'œil si ça t'intéresse et ne pas te prendre la tête sur les interfaces graphiques utilisateurs. Puisqu'on peut mélanger un petit peu tout. C'est aussi l'avantage de Delphi, c'est qu'il permet de tout faire et de faire des vrais programmes compilés derrière. Voilà, trêve de publicité, puisque ça peut s'apparenter un peu à de la pub. Du coin Forêt, si tu es toujours dans le coin, est-ce que tu as prévu de revenir quand? Yep. D'ailleurs, j'en profite. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, copier le lien. Donc sa chaîne est ici. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil aussi à l'occasion. Entre deux streams. Donc plutôt en fin d'après-midi, enfin dans les après-midi, hein, d'après ce que j'ai vu ces derniers jours. Mais ça peut varier aussi avec du gaming de temps en temps.
Donc là, j'étais en train de chercher un fond sympa pour mes cartes de jeu, mais j'arrive pas à trouver l'inspiration dessus. Donc je vais prendre un truc à la con et je pense que je changerai plus tard. Là, en l'occurrence, je choisis sur Adobe Stock parce que j'ai un contrat avec les licences. J'avais pas envie de prendre des cartes avec le motif déjà créé, mais... background image, du gaming demain, oh bah c'est bien. De toute façon, avec le week-end de Tidaction, c'est plutôt une bonne chose. C'est l'opération Gaming for Tidaction qui stream depuis l'eSpot, et puis du coup, il y aura pas mal de monde aussi qui devrait traîner dans le coin à chercher des streamers. Et donc pour ma part, non, je fais pas vraiment de gaming en fait. Hein, je suis pas un vrai joueur en fait. Ça fait des années que j'ai pas. Je suis un ancien. J'étais très fan des Space Quest, King Quest et autres dans les années 90. Sierra Online pour ceux qui connaissent. J'ai un peu décroché l'affaire ces dernières années sur tout ce qui est jeux vidéo puisque j'ai fait pas mal de développement de sites web et trucs comme ça. Et puis en fait mes loisirs c'était plutôt de cinéma. Ou là, depuis quelques temps, Netflix, Disney+, et ainsi de suite, avec des séries télé. Donc je jouais peu, mais suite à l'achat d'un ordinateur, Apple m'a généreusement offert 3 mois d'abonnement à Arcade, et du coup j'ai tenté 2-3 trucs. Donc je me suis mis à Lego Star Wars Castaways, que j'ai plié assez rapidement globalement. Hein. Alors pas entièrement en ligne, j'ai fait 2-3 sessions dessus. Mais c'est vrai qu'à l'occasion, je me remettrai peut-être... dessus. Là actuellement ma machine principale en fait c'est un iMac qui a un processeur i5 et qui date de 80, de 95, qui a 10 ans, donc de 2012. Il est légèrement poussif, alors dès que je fais des streams et des trucs comme ça s'écroule. Et du coup j'en ai un plus récent parce que j'ai acheté un Mac Mini cette année, mais léger en termes de... Enfin j'ai pris la version de base en fait juste pour faire du dev et de la compilation, et du coup il est pas... Alors il speed, hein, c'est... Ces machines, les M1 en termes de processeur, c'est Apple a fait vraiment une merveille. Mais bah, du coup, j'ai pas l'installation du micro, caméra et trucs comme ça. Alors la caméra, à la limite, peu importe, hein, ça sert pas forcément grand-chose de me voir sur les streams. Mais c'est vrai que le micro, ça m'oblige à le déplacer à chaque fois que je tente sur l'autre, donc je limite un peu les trucs. Mais effectivement, un de ces quatre, je m'y remettrai peut-être un peu plus comme ça. Ah bah j'aime bien ça. C'est fun, c'est léger, c'est. Ouais, on va dire ça, tiens, allez hop. On va dire ça, donc j'en prends un au pif. Alors on est plutôt sur une atmosphère orange, très colorée, tiens. Là. Allez, disons que j'ai trouvé mon fond d'écran pour les cartes. Donc on va importer ça dans le logiciel. Allez, vas-y. Fini de télécharger ce truc-là. Sinon, à part Twitch, en fait, je fais essentiellement de la formation et des coups de pouce ponctuels sur des problèmes techniques via du développement web ou sous Delphi, du coup, d'applications classiques ou mobiles. Donc c'est vrai que Twitch est plutôt pour le fun, enfin comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Mais c'est le fun, mais je reste sur, j'en profite pour développer les trucs que je voulais faire de mon côté depuis très longtemps. Et qui sont sur ma to-do list depuis des années, et c'est l'occasion en fait de le développer, d'avoir des retours en direct avec des personnes qui interagissent. Enfin, vous connaissez tous le principe, hein, on papote et puis on essaye d'avancer sur ce qu'on doit faire ou ce qu'on veut faire. Donc là l'image fait 7 mégas, ouais, oh, ça va aller. Hein. Allez hop, je vais la copier dans le truc, et donc ici j'avais dit que j'avais un multi-res bitmap, ça c'est bon, et donc je vais importer mon image. Oh bon, par contre, je vais quand même la récupérer sur mon dossier, histoire de garder les licences et les trucs comme ça à jour. Pour les trucs qui sont à diffuser derrière. Donc là, nouveau, hop, Adobe Stock. Et donc, l'image en question, il faut que j'arrête d'ouvrir 10 exemplaires du navigateur. C'était celle-ci, donc copier, coller. Alors, dans mon multi-res ici, je vais récupérer cette image-là. Il n'y a pas beaucoup de devs, je trouve, sur Twitch, c'est assez dommage. Bah, en fait, si, si, il y en a plein. Alors, en francophone, pas forcément. Mais on est quand même assez nombreux, mais plutôt sur du développement web.
Donc c'est vrai que autre techno, enfin web ou game, enfin ou game design et autres avec avec Unity, il y en a pas mal, mais en semaine, c'est vrai que c'est très très variable. Par contre, en anglophone, il y a de quoi faire, hein. Mais après, il faut les comprendre. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile pour tout le monde, et je m'aventure rarement dessus aussi. Alors, donc on prend une image. Alors j'ai dit pas celle-là puisqu'on était sur ça. Ici design, stock. Et évidemment, je choisis le mauvais dossier, c'est logique. J'adore ce genre de contenu où je ne comprends rien mais je reste. Ben, c'est sympa, merci. Content que ça te captive. Alors évidemment c'est foireux parce que les couleurs sont pas les bonnes. Enfin, l'image est trop grosse par rapport au truc. Hein. 5600 par 8000, je fais du 200 par 150 donc forcément ça va être foireux. On va la retailler quand même un coup. Donc un petit coup de Photoshop si l'ordinateur le veut pas, le veut bien. Comprendre ça va être fluente, c'est la même. Ouais, bah, je peux comprendre hein, effectivement, mais après vous n'êtes pas obligé non plus de tout comprendre. Là. Enfin, je fais du dev là pour du jeu vidéo. Il y a, enfin, j'ai plein de vidéos là-dessus. Je les ai mises en rediff sur Serial Streamer et puis il y en a d'autres. HTTPS, là. https://serial-streamer.fr. Vous avez pas mal de liens, de docs et de trucs comme ça là-dessus. Mais c'est vrai que c'est surtout ça. Le site apprendre Delphi avec les 2-3 liens formation de 60 heures si vous voulez jeter un coup d'œil. Et puis éventuellement juste la création du casse-brique. Enfin, je pense que j'étais suffisamment didactique dessus pour que ce soit compréhensible et éventuellement qu'on puisse en tirer quelque chose derrière. Enfin pour la partie jeu vidéo évidemment. Ici. Donc vraiment celle-ci, c'est les bases du truc. Et une fois qu'on a compris la philosophie, c'est le gros avantage en fait. Le Pascal, le langage qui est utilisé derrière, est assez simple, et puis l'environnement, il fait plein de choses quasiment tout seul. D'ailleurs, ça faisait un des sujets à traiter ce week-end, puisque je dois un article sur Delphi, enfin je dois. J'ai promis un article sur Delphi à développer.com, il faudra que je m'en occupe dans les 2-3 semaines qui viennent, pour qu'il soit dispo pour un numéro spécial no code. Vous êtes sur Mac? Oui, Mac de base. En fait, comme je fais aussi du développement Mac et iOS, enfin iPhone, iPad, on est obligé d'avoir un Mac. Et comme j'en avais ras-le-bol d'avoir un PC, un Mac, un machin, un truc, tout sur Mac, Windows en machine virtuelle, et ça dépote. Enfin ça, en général, ça dépote. Image. Donc l'image, on est sur du 200 par 150 dans mon truc. Alors déjà, j'ai commencé par la dupliquer, pour pas bousiller l'image d'origine. Et on va dire donc Mac. Pascal, c'était mon second langage après le basique du Commodore 64. Bah bien. Alors du coup, ça continue à évoluer. Hein. Le langage lui-même, évidemment, il a gardé ses trucs de base. Embarcadero, non, c'était Borland ou Winpraz à l'époque en 2009, a rajouté pas mal de choses à la syntaxe. Depuis, ça fait ses évolutions, puis les autres outils qui font de la programmation Pascal le proposent aussi. J'ai dit 200 par 150, donc on va dire du 200 par 200. Hop. Et donc je vais faire ça, un cadre de 200 par 200. Si il l'accepte. Et donc le langage a un peu évolué, mais la structure du langage reste la même, hein, c'est surtout les environnements de développement qui ont changé. Ça c'est bon, ben, on va valider ça en plein milieu, hein, voilà. Contrôle S, enfin comme S du coup. Téléchargement, oui, je reste dans ce dossier-là et je te dégage sur l'autre arborescence pour travailler depuis Windows. Évidemment, je ferme tout le reste. Donc là on est bon, ici je récupère donc dans mon dossier téléchargement la 200 par 200 que je viens de créer. Évidemment, là sur du jeu vidéo, ça oblige un peu de temps en temps à récupérer des images à droite à gauche et de faire un peu de Photoshop. Parfois de l'Illustrator, mais plus pour des copier-coller de base. Je ne m'aventure pas à faire du vrai Illustrator et autres, vu que je ne connais pas assez. Celui-ci, 200 par 200, comme ça il s'adaptera quel que soit le sens dans lequel on travaille. Voilà. Donc notre image, elle ressemble à ça, le fond de carte aussi. Je vais quand même mettre un petit
n'y avait pas le radius hein, sur cela. Non. Donc, est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce que je le mets en plein écran? C'est quand même globalement bien moche tel quel. Hein. On va passer en plein écran pour l'image. Donc, client, oui. Et donc ça, le fond, on va virer la marge. Panning, pardon, marge intérieure. 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc j'ai mon image. Et je vais quand même mettre le clip children, histoire qu'il ne déborde pas sur les contours. Foireux. Foireux, foireux. Donc on va le gérer autrement. Ouais, bah je le mets directement au niveau du fond. Hop, donc je vire l'image, je le fais ici, le fil. Fil, où es-tu? Donc là, on n'est plus en corn silk machin sur la couleur, je vais passer sur l'image directement. Bitmap, ici, image. Modifier. Charger. Et ça. Voilà. Donc j'ai mes cartes qui ressembleront à ça. Alors oui, si, tiens, j'ai oublié. Si les petits jeux que j'ai fait vous intéressent. Alors j'en ai sur, sur le Play Store et puis sur chez Apple. Mais sinon, vous en avez aussi là-dessus pour les Windows, Mac, si ça vous intéresse, de jeter un coup d'œil. Alors, donc j'ai mon fond de cartes. Du coup... Il me faut quand même l'image de face. Alors déjà, on va tenter un truc comme ça. Donc j'ai mes cartes, on va déjà les afficher. Donc on retourne sur le jeu. Ici, et donc au démarrage du jeu. C'était init, normalement. Création du jeu. Current machin, oui. Ben, on va dire qu'on a... Alors j'ai dit que je les mettais en horizontal. On est en 200 par 150, et la largeur c'était... du 700, donc 700 sur 200, ça fait 3. Oui, 3 en largeur. Peut-être pas top, hein, quand même. 3 en largeur et 150, j'ai 500, ça fait 15, 30, 45, 3. Je vous laisse, je vais aller manger, bonne soirée. Bah, bonne soirée à toi aussi, Arthur le Viking. Peut-être un de ces jours, n'hésite pas. Donc, on va dire 3 par 3 en horizontal. Hop. Ici, donc je vais utiliser l'endroit où j'ai créé mes cartes, hein. Ici, en implémentation, c'est bon. Hop là, ça, je l'ai appelé quoi? Carte du jeu, donc c'est bon. Alors, var carte, c'est un pcarte du jeu. Je vais faire une boucle, donc integer. Or, i prend, je vais faire un i et un j. Prend un, j'ai dit 3 par 3. Hein. Et d'ailleurs, j'ai quoi là? Image fond, zone de jeu. Donc là, ma zone de jeu, c'est un T-layout. Je vais y mettre un T-flow layout. Comme ça, ils vont se débrouiller pour s'aligner tout seul à l'intérieur, tout bêtement. Et lui, je vais le centrer. Zone de jeu machin. Il est où? Carte. Position, scale, machin. On se met en centré. Et son name, ce sera donc zone des cartes. Carte du jeu. Hop. Donc, j'ai dit que j'allais faire du 3 par 3. Donc, zone, carte du jeu. .with, il prend 3 fois, je les fois à l'horizontale, donc on fait 3 fois 200, sinon on est en 200 hauteur, ce serait 2 lignes, ce serait trop grand. Donc 3 fois 200, plus 10, plus 20, enfin plus 10, plus 10. Marge de gauche, je vais faire ça qu'une fois. Hop, et zone... carte du jeu .8 prend 3 fois 10 plus 150, c'est la hauteur des cartes, et c'est pas un x, un fois, voilà.
Donc, j'ai dit de 1 à 3, donc 0 tout 2. Bah, j'ai plus besoin du J, en fait. Donc, j'ai un 1 fois 9, de 1 à 9. D'où, je vais donc faire un... Créer ma carte. Donc, carte, prends tes cartes du jeu, point créate. Donc là, c'est la programmation objet, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai des trucs que je définis dans différents fichiers, et puis après, je les associe... Je les crée lorsque j'ai besoin de m'en servir. Donc là, on est bon. Ici, j'avais défini le créat quelque part. Je ne l'ai pas encore surchargé. Si, il est là. Et donc là, le truc à pas oublier. Name prend rien. Non, on définit, on crée deux fois la même chose et il n'aime pas. Ce qui est normal. J'ai donc une carte. Ma carte, elle prend un sens. Qui est donc tes cartes du jeu sens. Point horizontal. Ma carte point côté, elle prend. On se met sur le dos. Et je dis que je crée donc ça. J'ai besoin d'un parent, donc carte point parent prend zone carte du jeu. Et carte point margins. Left prend 10 et top prend 10 aussi. J'ai l'impression que Twitch a du mal à m'afficher la vidéo en même temps. Voilà, donc là j'ai 9 par 9, enfin j'ai 3 x 3 cartes normalement qui doivent apparaître à l'écran si tout se passe bien quand je vais dans le jeu. Et ça ne passe pas, alors pourquoi? Pourquoi ça? Donc init. Ah bah le init doit pas être appelé en fait tout bêtement. Est-ce que j'appelle le init quelque part? Si je vais là-dessus, donc mon écran de menu il est là, accueil. Si je vais sur jouer, bouton jouer, événement, clic. On choisit le type d'écran de jeu. Donc là dans le type d'écran, le changement d'écran il est ici. Je récupère l'écran sur lequel je veux aller, je fais l'animation d'affichage et quoi? Animation float, délai animation. Et c'est tout. Je ne déclenche rien derrière, donc c'est normal. Alors, forme create machin, on est bon là-dessus, sauf paramètres, écran, barge. Ouais. Alors, quand on clique sur le jeu, donc on bascule sur l'écran de jeu, c'est ici. Enfin, j'ai écrit ça il y a 3-4 ans, hein, donc la partie. Enchaînement, donc enfin là il faut que je me remette dedans quand même. Donc l'ancien écran, on le désactive. Le nouvel écran, on l'active. Et donc